Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 4 verset 12. Nous allons lire ensemble. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Notre message aujourd'hui s'intitule « Le plus bel héritage ». Le plus bel héritage. Voyez-vous, téléspectateurs de la Glory Christ Channel, le plus bel héritage, le bien le plus précieux qu'un père puisse léguer à ses enfants, ce n'est ni l'argent, ce ne sont ni les comptes en banque, encore moins des biens matériels. Le plus bel héritage qu'un père peut léguer à ses enfants, c'est son nom. Le nom fait référence à la réputation. Le nom fait allusion à la renommée. Le nom se réfère également au passé, à l'histoire d'une famille. À l'intérieur de ce nom, il y a l'influence, il y a la dynamique, il y a des trésors qui sont insoupçonnables et insoupçonnés aux yeux des hommes. Je voudrais encore le redire. Le bien le plus précieux qu'un père peut léguer à ses enfants, c'est son nom. Ce nom a une valeur intrinsèque, au-delà même de ce que les paroles à la dimension humaine peuvent traduire. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Vous l'aurez sans doute compris, il s'agit du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Et elle a habité parmi les hommes. Cette parole a eu un nom connu des hommes. Ce nom, c'était Jésus-Christ. Et nous connaissons tous l'histoire qui s'attache à ce nom. Nous connaissons tous le témoignage de ce nom. Ce nom nous a sauvés. Ce nom a vaincu sur son propre terrain le diable et toute la puissance, s'il faut le dire ainsi, qu'il portait. Puis ce nom est allé, ce nom est retourné dans sa gloire. Mais téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la Bible dit, car il n'existe sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce que cette parole veut par là signifier? Au moment de rentrer dans sa gloire, Jésus-Christ s'est dépouillé de ce nom. Jésus-Christ est retourné sur le trône. Et en le faisant, il n'est pas retourné avec ce nom. Car il est désormais connu sous le nom du roi des rois et le seigneur des seigneurs. La Bible dit « Il n'existe, il n'y a sous le ciel » aucun nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ nous a légué ce nom. Nous avons reçu ce nom en héritage
pour tous ceux qui croient en ce nom, pour tous ceux qui ont confessé ce nom, nous sommes des héritiers de ce nom. Nous avons hérité de ce nom. Et en héritant de ce nom, nous héritons par la même occasion des attributs qui s'attachent à ce nom. Nous héritons par la même occasion du témoignage qui s'attache à ce nom. En d'autres termes, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en ce monde, l'œuvre de salut, la victoire qu'il a remportée sur le diable et ses suppôts, sur la croix, l'ensemble de cette œuvre qui se résume en ce nom-là est désormais nôtre. Nous avons hérité du nom de Jésus-Christ. Nous avons par la même occasion hérité de la victoire qui s'attache à ce nom. Nous avons en même temps hérité de la puissance qui s'attache à ce nom. Oh, combien ce nom est-il redoutable dans le camp de l'ennemi. Combien ce nom ouvre-t-il des portes pour ceux qui sont confrontés à une situation ou une autre. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, nous sommes héritiers du nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, si vous me permettez la répétition, car il n'existe sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et la Bible dit encore, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Le salut ne signifie pas seulement être appelé enfant de Dieu. Le salut signifie aussi invoquer ce nom chaque fois que nous faisons face à un obstacle ou à une difficulté. N'est-ce pas ce que Pierre avait fait lorsqu'il se rendait à l'heure de la prière dans Actes chapitre 3? La Bible dit qu'il fut confronté à une situation. Il y avait là un paralytique qui chaque jour demandait l'aumône. Alors il s'est tourné vers Pierre et Jean pour demander l'aumône. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait un bien plus précieux que l'or et l'argent. Ce bien-là, c'était le nom de Jésus-Christ. Et fixant ce paralytique, il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce nom porte la guérison, ce nom porte la restauration, ce nom porte la bénédiction. En ce nom, Dieu a investi sa gloire. En ce nom, Dieu a investi sa puissance. C'est cette même Bible qui déclare que Dieu a déployé toute sa puissance. De quelle puissance s'agit-il? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, il s'agit de la puissance qui était dans le nom de Jésus. Dieu lui-même, pour ressusciter ce Jésus-Christ d'entre les morts, a déployé toute la puissance qui s'attachait à ce nom pour le ramener d'entre les morts. C'est ce nom-là qui est mis à ta disposition. C'est ce nom-là que Dieu t'a légué, afin qu'au travers de ce nom, tu ne marches plus tête baissée, afin qu'au travers de ce nom, que tu puisses rappeler au diable quel est son statut. Dieu a fait de lui, au travers du nom de Jésus-Christ, ton marche-pied. La Bible déclare, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse dans les cieux, sur terre et sous terre, que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, que merveilleux ce témoignage. Que grandiose est ce témoignage. Combien puissant est ce nom? Ma prière pour toi ce jour est que tu expérimentes la bénédiction, la gloire, la bonté, la fidélité, la merveille qui s'attache au témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, j'ai cette assurance, j'ai cette conviction que vous avez été bénis par cette parole. Aussi, je vous invite, toutes les fois que vous serez confrontés au mensonge du diable, je vous invite à faire mention de ce nom et vous saurez combien vous êtes plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.